Quand nous chanterons le temps des cerises, et guérassignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Pour suivre son chemin en établissement pour personnes âgées constitue un bouleversement pour tout individu. Beaucoup de choses vont effectivement changer, mais il en est une qui reste immuable, c'est l'histoire personnelle, l'histoire de chacun. C'est sur la connaissance de cette histoire personnelle, de ces petites choses qui font de nous des êtres singuliers, que nous nous appuyons dans nos établissements pour accompagner les personnes âgées. Alors nous les accompagnons individuellement ou collectivement à partir de projets intergénérationnels. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va. Ainsi, depuis 2006, les élèves de classe BEP sanitaire et sociale sont venus à plusieurs reprises rencontrer les résidents des établissements Jean Rostand, Louis Pasteur et François Desnoyers à Saint-Cyprien. Ils sont venus échanger des points de vue, écouter leurs anciens et recueillir leurs souvenirs, souvent lointains. Ces échanges intergénérationnels se sont matérialisés une première fois au travers d'un livre. Il me revient en mémoire, Paroles d'anciens. Recueil d'anecdotes, d'histoires marquantes, édité en 2008 avec le soutien de l'AG2R et de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui partage cette démarche du bien vieillir en favorisant les échanges intergénérationnels. Tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises. Certaines personnes peuvent raconter leurs souvenirs, d'autres moins bien, car leur mémoire est fragilisée. Il fallait proposer aussi une activité à ces personnes-là pour qu'elles aient l'occasion de nous raconter, de nous transmettre quelque chose, un pan de leur histoire. C'est en quoi la boîte souvenirs me semble tout à fait intéressante, car les objets qu'elle contient sont un support privilégié. Ils sont chargés d'histoire, d'identité. Ils ont un étonnant pouvoir évocateur. Regarder, manipuler un objet familier crée un sentiment d'apaisement. Cet objet qu'on a connu, perdu de vue, ou cet objet qui lui ressemble, ouvre un pan de notre vécu, de notre mémoire, tout en donnant du plaisir. Cette activité donne l'occasion de renouer le dialogue, parfois avec les membres de la famille ou les amis, car ils apportent les objets en lien avec la vie passée. Ils peuvent apporter des médailles, des photos, des documents, des souvenirs de voyage. Toutes ces petites choses qui ont une résonance affective. Madame Jésus-Pré et Monsieur Jésus-Pré travailleront concrètement, je veux dire, la boîte avec leur fille. Parce qu'elle a des talents de peintre et donc elle les a peints. Donc il y aura dans la boîte les portraits de ses parents, des objets, etc. Mm-hmm. Par contre, autour de son histoire, il y a des objets à chercher. Mm. Cette boîte fait appel à la mémoire ancienne, généralement bien conservée chez les personnes âgées. Alors il ne faut pas se hâter d'achever cet outil, il faut prendre le temps d'en parler avec la personne âgée, avec ses proches. Il faut passer plusieurs séances avec la personne pour trouver comment mettre en valeur ces objets, comment représenter visuellement de façon fidèle ses souvenirs. Donc cette boîte est le fruit d'un effort commun impliquant activement la personne âgée dans la recherche des objets et dans la décoration de la boîte. Et alors avec la laine, vous faisiez du fil? Oui, c'était des rouleaux, c'était des machines qui avançaient, qui reculaient. Oui. Et alors, il y avait des supports où vous mettez les rouleaux, mais c'était des rouleaux de laine. D'accord. Confectionner une boîte souvenir, c'est un peu comme aménager sa maison en s'entourant des objets qui ont un sens, qui ont une valeur unique. C'est aussi choisir entre plusieurs possibilités pour garder les objets les plus porteurs. Mais c'est aussi mettre en œuvre ses capacités créatrices. C'est une activité qui conforte dans son identité, dans ce qu'on a de plus singulier. Ça valorise la personne âgée. Alors cette boîte est aussi un support pour échanger, communiquer sur l'idée qu'on a de soi. L'idée de soi, celle qu'on veut transmettre aux autres, aux spectateurs qui est là
aussi confronté à son propre imaginaire, ou l'occasion de communiquer avec, entre le soignant et son patient. Ça devient alors un outil de travail, je dirais. Le berceau d'un vieux château, une promesse vient d'arriver. Une princesse tout étonnée, à qui l'on aime chanter. Que sera demain n'est jamais certain. Laissons l'avenir venir. Que sera on vit grandir et puis rêver. La jeune fille qui demandait, dis-moi mamie si j'aimerais. Et sa maman disait, Que sera demain n'est jamais certain. Laissons l'avenir venir. Que sera demain n'est jamais certain. Laissons l'avenir venir. Que sera